شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد حياكم الله تعالى en cette soirée du samedi 14 Muharram 1438 de l'Hégire, correspondant au 15 octobre 2016. Nous sommes, inshallah ta'ala, au 27e cours des trois fondements, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, avant cela, nous sommes donc, on parlait de des piliers de la foi. On avait dit que ils étaient au nombre de 6. Et que le premier, c'était la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et on avait dit que la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala se divisait, hein, comme on a dit ici, se divise en 4 catégories. C'est une petite révision, bi'idhnillahi ta'ala. Donc la croyance en Allah se divise en 4 catégories. La première, croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, la deuxième, croire en sa seigneurie, sa rububiya. Troisièmement, croire en sa divinité, sa uluhiya. Quatrièmement, croire en ses noms et en ses attributs. Donc, nous sommes à la première chose, c'est-à-dire croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, on avait dit que pour cela, il y avait des preuves. Différentes sortes de preuves. Il y a premièrement, les preuves issues de la nature humaine, on les a citées. Ensuite, il y a les preuves rationnelles concernant l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on les a citées. Ensuite, il y a les preuves textuelles. Ensuite, il y a les preuves empiriques. Aujourd'hui, inshallah, troisièmement, nous sommes aux preuves textuelles, les preuves religieuses, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, comme quoi Allah subhanahu wa ta'ala existe. طيب شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى دي quant aux preuves religieuses de l'existence d'Allah Azza wa Jal, elle réside dans le fait que tous les livres célestes témoignent de cette réalité. Les lois s'y trouvant, garantissant les intérêts de la création, sont une preuve qu'elles proviennent d'un Seigneur sage et parfaitement informé des intérêts de ses créatures. De plus, on y trouve des informations d'ordre universel vérifiées par l'expérience. Ceci est une autre preuve qu'elles proviennent d'un Seigneur capable de créer ce dont il nous a informé. Je répète et j'explique un peu. Donc, maintenant on parle des preuves religieuses. Les preuves religieuses, ce sont les preuves qui se trouvent dans le Coran et la Sunna. Le Cheikh dit, elles résident dans le fait que tous les livres célestes, il y en a qui viennent du ciel, témoignent de cette réalité. Les lois s'y trouvant dans les livres célestes et dans le Coran particulièrement et la Sunna, garantissant les intérêts de la création. Naam, toute loi, il faudrait que cette chose soit ancrée dans nos cœurs et qu'on n'ait pas un brin de doute sur cette chose. C'est quoi? Toute loi qui se trouve dans le Coran et la Sunna, c'est pour nos intérêts. Nos intérêts de cette dunya et nos intérêts dans l'au-delà. Soit on a compris la sagesse, soit on n'a pas compris. Si Allah Ta'ala t'ordonne de faire quelque chose, ça veut dire si tu l'as fait, c'est pour ton intérêt. S'il te demande de t'éloigner de quelque chose, lui ou son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ça veut dire c'est toujours ton intérêt. C'est toujours ton intérêt. C'est pour cela que toute personne
qui ne fait pas ce que Allah Ta'ala lui a ordonné de faire, ou bien qui fait ce que Allah Ta'ala lui a ordonné, yani de s'en éloigner, elle va se trouver dans un problème. Et elle va se trouver dans l'angoisse et dans les méchakil. Ça c'est donc, elle va se trouver aussi dans un problème le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, les lois s'y trouvent en garantissant les intérêts de la création, sont une preuve qu'elles proviennent d'un seigneur sage et parfaitement informé des intérêts de ses créatures. Naam, pour que yani, celui qui te dit par exemple de faire telle chose, c'est un intérêt pour toi. Et si tu délaisses cette chose, c'est un intérêt pour toi. Yani, celui qui peut faire ça ne peut être que quelqu'un qui est parfaitement informé de mes intérêts. Non, si quelqu'un ne connaît pas mes intérêts, ne peut pas me dire il faut faire cette chose, elle est bien, il faut délaisser cette chose, elle n'est pas bien. Il faut qu'il connaisse bien mes intérêts. Or, c'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, connaît bien les intérêts de ses créatures. Non. De plus, on y trouve des informations d'ordre universel vérifiées par l'expérience. Ceci est une autre preuve qu'elle provient d'un Seigneur capable de créer ce dont il nous a informé. Il a dit, de plus, on y trouve des informations d'ordre universel vérifiées par l'expérience. Naam. De plus, on trouve dans le Coran et la Sunna des informations qui ont rapport avec l'univers, qui ont rapport avec notre dunya, qui ont rapport avec les étoiles, qui ont rapport avec la mer, les montagnes, les ceci, les cela. Et, subhanallah l'adim, elles ont été vérifiées, yani, par maintenant les savants, par la technologie, et jamais ils n'ont pu trouver yani, quelque chose de faux. Jamais ils n'ont trouvé que le Coran a dit ceci alors que yani, c'est le contraire. Jamais, jamais de la vie, jamais. Et c'est impossible que ça arrive, Quant aux preuves empiriques de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, maintenant on va parler des preuves empiriques. Quant aux preuves empiriques de l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ici, on distinguera deux axes de considération. Premièrement, nous entendons et sommes témoins du fait qu'Allah Azza wa Jalla répond à ceux qui l'invoquent et secourt les personnes accablées, ce qui est une preuve irréfutable de son existence. Nous entendons et sommes témoins du fait qu'Allah Azza wa Jalla répond à ceux qui l'invoquent et secourt les personnes accablées, ce qui est une preuve irréfutable de son existence. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. Al-Anbiya 76. C'est-à-dire, et Nuh, quand auparavant il fit son appel, nous l'exauçâmes et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Une seconde, inshallah ta'ala, je reviens une seconde. Je vais ouvrir la porte une seconde. Donc, est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Et Nuh, quand auparavant il fit son appel, nous l'exaucâmes et nous le sauvâmes ainsi que sa famille de la grande angoisse. Ensuite, il a cité aussi l'autre verset. Une seconde. Itastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min almalaikati murdifin. Naam, al-anfal 9. Et rappelez-vous, le moment où vous imploriez le secours de votre Seigneur et qu'il vous exauça aussitôt, il a dit, je vais vous aider d'un millier d'anges, déferlant les uns à la suite des autres. Cheikh ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, dit, on trouve aussi dans le recueil des hadiths authentiques de l'imam al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, d'après Anas ibn Malik, il a dit,
un bédouin pénétra dans la mosquée un jour de vendredi. Un bédouin pénétra dans la mosquée un jour de vendredi. Non. Durant le serment du prophète, il dit, ô messager d'Allah, nos biens sont, invoque donc Allah Ta'ala pour nous. Le prophète, alayhi salam, leva alors les mains et invoqua Allah Azza wa Jal. C'est alors que des nuages aussi imposants que des montagnes apparurent. Et le prophète, alayhi salam, n'était pas descendu de sa chair, son mimbar, que la pluie ruisselait déjà sur sa barbe. Le vendredi de la semaine suivante, le même bédouin, ou peut-être un autre, dit, ô messager d'Allah, nos constructions sont affaissées et nos biens sont noyés. Invoque donc Allah pour nous. Le prophète, alayhi salam, leva alors la main et dit, ô Allah, fais tomber la pluie sur les régions avoisinantes et non sur la nôtre. Et chaque fois que le prophète, alayhi salam, montrait un endroit nuageux du ciel, il s'éclaircissait. Donc, subhanallah al-azim, il n'est même pas descendu de son mimba, juste il a levé les mains que la pluie a commencé à, jusqu'à yani, sa barbe, yani, déjà ruisseler. El Mouhim, on prend aussi ce hadith que c'est permis le vendredi de parler avec l'imam, s'il est sur sa chair, mais à condition quoi? À condition que, yani, je parle pas avec les gens, je parle avec l'imam lui-même. Avec l'imam lui-même, si c'est une chose, yani, très importante, si c'est une chose très importante. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, la réponse d'Allah Azza wa Jal, faite à ceux qui l'invoquent, est une réalité vécue. Et ce jusqu'à nos jours. Pourvu que la personne qui invoque soit sincère dans son retour vers Allah Azza wa Jal et remplisse les conditions nécessaires à l'exaucement des invocations. Non, une personne peut invoquer et dire, oui, mais il ne m'a pas exaucé. Il ne t'a pas exaucé, c'est pas parce que il a promis, il ne tient pas les promesses, Allah Azza wa Jal. Ma'adallah, il ne t'a pas exaucé parce que il y a des choses. Entre autres, par exemple, peut-être tu ne remplis pas les conditions. Non, peut-être tu ne remplis pas les conditions dans cet exaucement. Les doigts, il faut que ça remplisse des conditions. Non, peut-être que, il y a autre chose, tu remplis toutes les conditions, mais tu demandes une chose qui est un mal pour toi. Et toi, tu ne sais pas. Toi, tu crois que si tu vas demander Allah subhanahu wa ta'ala qu'il t'aide pour acheter telle maison, que yani, c'est un grand bien pour toi. Une maison spacieuse qui contient yani, tout ce dont on a besoin, qui a un jardin, qui a ceci, cela, c'est une bonne chose. Mais toi, tu sais pas que si tu achètes cette maison, Allah Ta'ala sait qu'elle brûlera un jour et tu mouriras brûlé dans la maison, en train de dormir. Donc Allah Ta'ala veut éloigner de toi un mal, mais que toi tu sais pas. Et la personne est angoissée, il dit comment, yani, moi, ça fait 10 ans que je fais des doigts, Allah Ta'ala ne veut pas me répondre et comme ça. Il ne sait pas que Allah Ta'ala ne veut pas, yani, de mal à cette personne, car elle a demandé une chose, yani, qui va lui, yani, apporter un mal. Mais la personne ne sait pas, bien sûr. Ça, c'était premièrement. Deuxièmement, les miracles sont aussi une preuve. Les signes des prophètes, plus communément appelés miracles, que les gens ont vu ou dont ils ont entendu parler, est une preuve irréfutable de l'existence de celui qui a envoyé les messages, à savoir Allah Azza wa Jal. En effet, il s'agit d'événements qui dépassent les capacités humaines et que Allah Azza wa Jal provoque afin d'assister et soutenir ses messagers. Il y a par exemple le miracle de Moussa, que les autres appellent Moïse, Moussa alayhi salam, lorsque Allah Ta'ala lui intima l'ordre de frapper la mer de son bâton, ce qu'il fit. C'est alors que la mer se divisa en 12 chemins secs, séparés par des montagnes d'eau. Allah Ta'ala dit, Shu'ara 63, فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ نِضْرِبْ بِعَصَاكِ الْبَحْرِ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Alors nous révélâmes à Moussa, frappe la mer de ton bâton. Elle se fondit alors, et chaque versant fut comme une énorme montagne. Non. Est-ce que c'est possible qu'un sorcier, par exemple, un magicien ou un sorcier, puisse faire une chose pareille? Il arrive devant la mer,
il frappe la mer avec son bâton, elle va s'ouvrir, yani, comme deux montagnes, deux grandes montagnes, une à droite, une à gauche, et il peut marcher au milieu, traverser la mer en marchant comme ça, sur quelque chose de sec. Est-ce qu'un sorcier peut faire comme ça? C'est pas possible. Donc ça se voit, ta'ala, par sa permission que Moussa alayhi salam a fait cette chose. Un autre exemple, le miracle de Isa alayhi salam, que les autres appellent Jésus, qui ressuscitait les morts et les faisait sortir de leur tombe par la permission d'Allah. Allah azawajal a dit en citant les propos de Isa alayhi salam, il a dit Ali Imran 49, wa rasulun ila bani Israël. أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. نعم. Il a dit, et il sera le messager aux enfants d'Israël, et il leur dira: en vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau. Puis je souffle dedans. Et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle né et le lépreux. Et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez, vous réunissez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous. Si vous êtes croyant, naam, quelqu'un qui fait des choses pareilles, naam, il fait sortir le mort de sa tombe par la permission d'Allah, et il soigne l'aveugle et le lépreux, et il forme avec la glaise, yani, quelque chose qui devient un oiseau, ensuite il t'informe de ce que tu as mangé. Dis-lui, qu'est-ce que j'ai mangé hier? Il te dit, voilà, tu as mangé telle et telle et telle chose. Et même ce que tu as dans la maison amassé. Naam. Il le sait. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Ça ne peut être que, yani, par la permission d'Allah subhanahu azza wa jal. Naam. Tayyib. Un autre exemple. Une seconde. Ça, on l'a cité. Il a dit un autre exemple, le miracle de Isa alayhi salam, qui ressuscitait les morts et les faisait sortir de leur tombe par la permission d'Allah. Allah Azza wa Jalla a dit en citant les propos de Isa alayhi salam. Il a dit: Wa id tukhrijou al-mawta bi'idhni. Al-Ma'ida 110. Et quand Allah Azza wa Jalla dira: Oh Isa, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, Taurat et l'évangile. Tu fabriquais de l'argile comme une forme d'oiseau par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais les preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croyaient pas dire ceci n'est que la magie évidente. Ceci n'est que la magie évidente. Voici un troisième exemple. Voici un troisième exemple. Lorsque la tribu de Quraysh exigea du prophète sallallahu alayhi wa sallam Muhammad un miracle. Alors celui-ci montra la lune de sa main. Il montra la lune de sa main et c'est alors qu'elle se fendit en deux. Elle se divisa en deux. Beaucoup de gens furent témoins de cet événement. C'est à ce sujet qu'Allah subhanahu wa ta'ala révéla les versets où il a dit, le verset suivant, il a dit, Qamar, sourate Qamar, iqtarabat as-sa'atu wa inshaqqa al-qamar. L'heure s'approche et la lune s'est fendue. Et s'ils voient un prodige, ils s'en détournent. Ils disent une magie persistante. Une magie persistante. Donc,
Est-ce que quelqu'un peut faire une chose pareille? Montrer la lune avec son doigt et le qamar, la lune, va se diviser en deux. Elle est comme ça ronde, elle se divise en deux et elle donne deux, comment on appelle ça, yani deux morceaux en forme de hilal, en forme de hilal. Je sais pas comment on dit hilal en français, je crois croissant, en forme de croissant. Non, c'est pas possible qu'un être humain puisse faire cela si ce n'est avec la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen dit rahimahullah ta'ala, ainsi, tous ces signes concrets qu'Allah azzawajal réalise pour soutenir et assister ses messagers prouvent son existence de façon irréfutable. De façon irréfutable. Tout ceci, c'était croire en quoi? Il a dit croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, on va passer à B et deuxièmement, croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en la seigneurie, rububiya d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'émoticône que vous voyez ici, j'ai fait tout mon possible pour l'enlever, j'ai pas pu. Tout mon possible, plusieurs fois essayé, j'ai pas pu. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être c'est un virus, Allahu alam. On doit croire en la seigneurie, la rububiya d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, ça ne suffit pas de dire, naam, comme pensent beaucoup de gens, de dire que j'atteste que Allah Ta'ala existe, donc ça suffit. Moi, je ne suis pas un athée. Moi, je dis que Allah Ta'ala existe. Dieu existe, comme ça il te dit. Alors pour lui, ça suffit. Alors que peut-être, il ne croit ni en sa seigneurie, ni en sa divinité, ni en ses noms et en ses attributs. Or, celui-là n'est pas un croyant. Pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala, on doit obligatoirement croire en quatre choses. En son existence, ensuite, en sa seigneurie, Rububiya, ensuite, en sa divinité, ensuite, en ses noms et en ses attributs. Naam. C'est pour ça qu'on est en train d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire croire en son existence, en sa seigneurie, en sa divinité, en ses noms et en ses attributs. Maintenant, donc, on passe à, deuxièmement, croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala dit, c'est-à-dire croire qu'il est le seul Seigneur sans associé ni assistant. Croire qu'il est le seul Seigneur de ce monde, sans associé ni assistant. Le Seigneur est celui qui crée, possède et ordonne. Point de créateur, si ce n'est Allah. Point de possesseur, si ce n'est lui. Et point d'ordre, si ce n'est le sien. Donc, croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est croire que lui seul, c'est le seigneur de ce monde. C'est lui qui commande ce monde. C'est lui qui dirige ce monde. C'est lui qui donne la vie, ôte la vie. Dans le risque, enlève le risque. Fait tomber la pluie, fait tomber la neige. Enrichi, appauvri. J'ai dit et je redis tout à l'heure, je peux croire en l'existence d'Allah et je te dis que Allah Ta'ala existe, mais je ne crois pas en sa seigneurie. Je te dis, c'est pas lui qui donne les enfants, par exemple. C'est tel marabout. C'est tel marabout, on va aller chez lui, va faire des doigts là-bas, ou bien amener avec nous des œufs et des bougies, on va les allumer là-bas, on va tourner autour de sa tombe, et il va nous donner des enfants, par exemple. Donc là, tu ne crois pas en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc pour toi, tu crois en son existence, mais c'est pas lui qui donne les enfants d'après toi. Donc, ton iman est nul. Dire, j'atteste que Allah existe, est nul. Ça ne compte pas. Si tu meurs, tu mourras comme ça. Tu seras éternellement en enfer. Éternellement en enfer. C'est pour ça que c'est très important, Naam, de croire, yani, aux piliers, les quatre piliers, Naam, de, yani, croire en Allah Ta'ala. Qui sont croire en son existence, croire en sa seigneurie, croire en sa divinité, croire en ses noms
et en ses attributs. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, l'A'raf 54, Ala lahul khalqu wal amr, tabarakallahu rabbil alamin. Tabarakallahu rabbul alamin. La création et le commandement n'appartiennent et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Tayyib. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé de la création, il a rajouté le commandement? Non, la création et le commandement n'appartiennent qu'à lui. Il a parlé de, ça, de la création, il a dit ça n'appartient qu'à lui. Beaucoup de gens savent cela. Ils disent, bien sûr, sauf, il n'y a personne qui peut créer. Le seul créateur, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Mais, ils renient le commandement. Ils te disent, Allah ta'ala crée, mais, yani, c'est pas obligé que ce soit lui qui commande. On peut être commandé par d'autres. Non, ou il y a d'autres qui ont des commandements. Pour comprendre cela, on va lire un peu le verset qui va suivre. Al-A'raf 54. Votre Seigneur, c'est Allah Azza wa Jal. Votre Seigneur, c'est Allah. Je pousse un peu, Hada. Votre Seigneur, c'est Allah qui crée les cieux et la terre, qui a créé les cieux et la terre en 6 jours. Puis s'est établi sur le trône. Il couvre la nuit, le jour de la nuit, qui poursuit celui-ci sans arrêt. Il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. La création et le commandement lui n'appartiennent qu'à lui. Toute gloire à Allah, Seigneur de l'univers. Donc le verset dont on parlait, où Allah Ta'ala a dit, tient qu'à lui, qui se trouve ici dans ce verset à la fin. Il a dit, la création et le commandement. Avant cela, qu'est-ce qu'il a dit? Il a montré qu'il a créé les cieux et la terre en 6 jours, puis s'est établi sur le trône. Ensuite, il a dit, il couvre le jour de la nuit qui poursuit celui-ci sans arrêt. Ensuite, il a dit, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. Allah Ta'ala veut dire, si c'est lui qui a créé l'univers, et c'est lui qui a tout créé, n'est-il pas logique, et même obligatoire, yani que ce soit lui, qu'on atteste que ce soit lui qui a le commandement? Parce que ce serait incompatible, si je puis dire. Comment? D'un côté, c'est Allah Ta'ala qui a créé, ensuite de l'autre, c'est pas lui qui commande. C'est un peu, pour que vous compreniez juste, yani, pour rapprocher un peu yani, l'idée, c'est comme si moi maintenant j'enfante des enfants, ensuite c'est mon voisin qui commande, c'est mon voisin qui leur donne les ordres, c'est mon voisin qui va les éduquer. Ça marche pas. Pourquoi? Ce sont mes enfants à moi, ça ce sont seulement mes enfants, je les ai enfantés, je les ai pas créés. Imagine maintenant, Allah Ta'ala crée le monde, ensuite c'est pas lui qui commande ses créatures. Il y a d'autres qui les commandent. C'est pour ça que, d'où yani, la grande yani, importance des lois religieuses. Les lois religieuses viennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les lois humaines viennent des gens. Donc Allah Ta'ala qui t'a créé, c'est lui qui te commande. Naam, c'est pour ça qu'il a dit, il a la création, il a aussi le commandement. Pourquoi? Lui sait mieux que quiconque où sont mes intérêts et où sont les bienfaits et les méfaits. Naam, c'est lui qui m'a... Ensuite, c'est son droit. Car il a créé, donc c'est lui qui commande. Pas un autre. Ensuite, si on revient sur ce même verset, où il dit, il couvre le jour de la nuit, qui poursuit un. Ensuite, il a créé le soleil, la lune et les étoiles, soumis à son commandement. Regardez, même la lune, le soleil et les étoiles sont soumis à son commandement, Allah Azza wa Jal. Ensuite, il nous a créé nous. Nous aussi, on est soumis à son commandement. Donc, aucune créature ne peut être exempte d'être soumise à son commandement. C'est pas possible. Naam. Non seulement nous, on est soumis à son commandement, mais aussi même il a dit le soleil, la lune, les étoiles, tout est soumis à son commandement. C'est ça, croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui a créé, c'est lui qui commande. C'est
C'est pas seulement il a créé, mais encore il commande et dirige et régit cet univers avec une grande sagesse et une grande science. C'est pour ça qu'il y a un hadith dans Sahih al-Bukhari et d'autres qu'un Nabi, un prophète qui s'appelle Yusha ibn Nun, une fois, il est allé avec son armée faire le djihad. Avant d'arriver chez l'ennemi, Naam, il restait un peu pour arriver. Déjà, le soleil, yani, commençait à pencher, yani, c'était déjà Salat al-Asr. Il restait pas beaucoup pour que le soleil se couche. Qu'a fait ce prophète? Il a parlé avec le soleil. Il a dit, Anti ma'mour ou ana ma'mour. Toi, tu es commandé, et moi je suis commandé. Ensuite, il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de l'arrêter, naam, jusqu'à ce que, yani, il combatte les ennemis. Car, si le soleil va se coucher, c'est trop tard. C'est la nuit, il va rien voir. Naam. Il y a ni lampe, ni projecteur, ni rien. Donc, il a parlé au soleil, il lui a dit, demandé de s'arrêter, il lui a dit, tu es commandé, je suis commandé. Pour vous dire que, donc, nous tous, on est commandés, que ce soit les êtres humains, que ce soit les animaux, que ce soit les insectes, que ce soit les montagnes, les fleuves, les mers, les étoiles, le soleil, les galaxies, tout est commandé et régi, naam, par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, une seconde, j'arrête ici parce qu'il appelle la salat al-Isha, je vais prier, inshallah ta'ala, et je reviens. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. On était au tawhid de la rububiyya. On était au tawhid de la rububiyya. Et on continue باذن الله سبحانه وتعالى. On parlait du commandement, on parlait de la création et du commandement. Et on avait dit que celui qui avait la création, c'était lui qui avait aussi le commandement. Non, une seconde, je vais arrêter un bruit qui nous gêne comme ça, une seconde. Oui, Inch'Allah Ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, Fatih 13, Yuridu l'ayla fil nahar, wa yuridu l'nahara fil layl, Iskhara shamsa wa tlamara, kullu yajri li ajalin musamma. Zalik. Une seconde. Une seconde, j'ai oublié le micro. J'avais oublié de mettre le micro et maintenant vous m'entendez. Normalement vous m'entendez, alhamdoulilah. Donc Fatir 13, yuliju l'layla fil nahar wa yuliju l'nahara fil layl wa sakhara shamsa wal qamara kullun yajri li ajalin musamma kum lahul mulk wal ladina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Ça donne à peu près, Allah Ta'ala fait que la nuit pénètre le jour et que le jour pénètre la nuit. Et il a soumis le soleil et la lune. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Tel est Allah, votre Seigneur. À lui appartient la royauté. Tandis que ceux que vous invoquez, en dehors de lui, ne sont même pas maîtres de la pellicule des noyaux de date. C'est-à-dire, Allah Ta'ala veut dire en ce sens que, regardez-lui ce qu'il fait. Il fait que la nuit pénètre le jour pénètre la nuit. Le soleil et la lune sont soumis à ses commandements. Chacun d'eux s'achemine vers un terme fixé. Ensuite, il dit, à lui appartient la royauté. Non, c'est lui le roi, le seigneur. Tandis que ceux que vous invoquez, les gens que vous invoquez ou les statues en dehors de lui, ne peuvent même pas, yani, ne peuvent même pas, si je puis dire, créer un noyau de dette. De date, à fond. Le noyau de la date, ils ne peuvent pas, yani, le créer si on leur demande de créer un petit noyau. Ils ne peuvent pas. Alors comment, yani, prétendent-ils qu'ils peuvent donner des enfants, ou bien qu'ils peuvent donner le bonheur, ou bien qu'ils peuvent donner la richesse, ou bien. Tout cela est faux. Tout cela est faux. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, rahimahullah ta'ala, dit, et personne n'a jamais renié la seigneurie d'Allah. Si ce n'est par arrogance, ils sont vraiment être convaincus de son propre athéisme. Et sont vraiment être convaincus de son propre athéisme, comme ce fut le cas de Pharaon. Ce fut le cas
pour Pharaon, lorsqu'il dit à son peuple, Pharaon, qu'est-ce qu'il a dit à son peuple? Il a dit, je cite ici le verset, une seconde, je ne suis pas connecté, je ne suis pas connecté. Là, il dit, non. Allah, le ça marche pas, hein, une seconde. Ah, je voyais pas. Donc il dit Anar Bukumul Ala. Je voyais pas que ça s'affiche. Il dit Anar Bukumul Ala. C'est-à-dire en ce sens, en ce sens. Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Ô notable. Pharaon dit au notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Ou alors c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Non? Or, Cheikh Ibn Uthaymeen dit, toutes ces déclarations n'étaient pas conformes à sa véritable croyance. Non? La preuve est en la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il a dit, sourate An-Naml 14, « وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ » ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ. Ils les nièrent injustement. Ils nièrent les versets, les preuves qu'a ramené Moussa alayhi salam. Tandis que, il a dit, ils les nièrent injustement et orgueilleusement. Tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Regarde donc ce qu'il est advenu des corrupteurs. Donc ne croyez pas que, il faut pas croire que Pharaon, Pharaon, quand il a dit Anar Bukumul A'la, ne croyez pas que, il savait pas dans son cœur que c'était pas vrai. Il savait que c'était pas vrai. Il savait que, Nam, Rab c'est pas lui. Le Seigneur des mondes c'est pas lui. Ce monde a un Seigneur. C'est pour ça que Allah Ta'ala l'a démenti. Il lui a dit, il a dit en parlant de lui, il les nie injustement et orgueilleusement. Pourquoi il nie? Orgueilleusement, Nam. Tandis qu'en eux-mêmes, dans leur cœur, ils y croyaient avec certitude. Pharaon, quand il va dormir le soir, il dit, je sais que c'est pas moi, mais à cause des passions, à cause de l'orgueil, à cause de ceci, cela, hein, je vais dire que c'est moi le Seigneur des mondes. Naam. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, rahimahullah ta'ala, naam. De plus, Moussa dit à Pharaon, de plus, Moussa dit à Pharaon, comme Allah ta'ala nous le rapporte, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous le rapporte. Qu'est-ce qu'il a dit, Moussa, au Pharaon? Al-Isra, 102. Qala laqad alimta ma anzala ha'ulai illa rabbu samawati wal ardi basair. Fir'aunu matbura. C'est-à-dire, au Pharaon, tu sais fort bien que ces choses, les miracles, seul le Seigneur des cieux de la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, au Pharaon, je te crois perdu. Donc Moussa sait et dit à Pharaon, il sait, il lui dit, il dit, tu sais fort bien, ya Pharaon, que ces choses, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre comme preuve illuminante. Donc Moussa sait que Pharaon sait. Mais Pharaon, qu'est-ce qu'il fait? Comme a dit Allah Ta'ala un peu plus haut, il les nia, il nia, il nia les miracles et les preuves orgueilleusement et injustement. C'est pour cela que yani, l'athéisme, dire que ce Seigneur n'a pas de monde, certains savants disent, ont dit, ça ne peut pas exister. Non, ça ne peut pas. Pharaon lui-même, qu'on dit, c'est le premier à avoir dit ça, Allah Ta'ala dit, mais dans son cœur, il sait que ce n'est pas vrai. Il sait qu'il y a, yani, le Seigneur des mondes. Il y a le Seigneur des mondes. Moussa lui a dit, tu sais fort bien que c'est miracle. Seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre. Donc tu sais, Pharaon, qu'il y a un Seigneur. Il y a un Seigneur des cieux et de la terre. Tu sais que c'est lui qui les a fait descendre. Ce monde n'a pas de Seigneur plutôt. Car vous avez, ce Seigneur n'a pas de monde. Je n'ai pas compris ce que tu veux dire. Ce monde n'a pas de Seigneur. Non, ce monde n'a pas de Seigneur si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si ce n'est Allah subhanahu wa ta'ala. Si je dis autre chose... vous avez dû peut-être comprendre que vous avez dit ce Seigneur n'a pas de monde.
Ce Seigneur n'a pas de monde. Non, ce monde n'a pas de Seigneur. Ce monde n'a pas de Seigneur. Si ce n'est le Seigneur Allah Azza wa Jal. Si ce n'est le Seigneur Allah Azza wa Jal. Al-Muhim. Qu'est-ce que lui dit Cheikh Ibn Uthaymeen, d'ailleurs, les polythéistes reconnaissaient la seigneurie d'Allah, bien qu'ils lui associaient d'autres divinités dans leur adoration. Cheikh Ibn Uthaymeen dit, d'ailleurs, les polythéistes, c'est qui? C'est les mouchrikoun, les arabes qui adoraient les statues et autres, reconnaissaient la seigneurie d'Allah Azza wa Jal, bien qu'ils lui associaient d'autres divinités dans leur adoration. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, en parlant d'eux, il a dit, Al-Mu'minun 84, قُلْ, demande, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Dis à Muhammad, dis-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. Dis à Abu Lahab, dis à Abu Jahl, dis aux Arabes qui adorent les statues, dis-leur, à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Al-Mu'minun 85. Et bien ils répondront à Allah. Ça appartient à Allah. Dis, ne vous souvenez pas. Non, ne vous souvenez pas. D'ailleurs, on me dit mon micro fait de petits bruits. J'essaie de descendre un peu plus bas. Peut-être. On va voir. Donc qu'est-ce qu'ils répondent ici? Ils disent, ils diront à Allah. Allah Ta'ala dit, Ya Muhammad. Si tu vas dire aux kuffars de Quraysh, tu vas leur dire à qui appartient la terre et les cieux, ils vont te dire Allah. Ils appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib. On continue. Afala tadhakkaroun. Donc, dis. Ne vous vous souvenez donc pas, ne vous souvenez donc pas. Ensuite, قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ 86. Dis-leur encore, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime. Dis-leur, ya Muhammad, qui est le Seigneur des sept cieux et le Seigneur du trône sublime. 87. المؤمنون سيقولون لله قل أفلا تتقون. Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas. Subhanallah al-Azim. Donc, même les kuffars, les Quraysh, même si tu leur dis qui a créé les cieux et la terre, ils vont dire c'est Allah. Tu dis à qui appartient le trône, ils vont dire Allah. Ils savent même. Donc tout ça, malgré tout cela, ça fait pas de toi un croyant. Ça fait pas de toi un musulman. Ça fait toujours de toi quelqu'un qui, s'il meurt avec cette croyance, il sera éternellement en enfer. Donc, elle dit, c'est pour qu'on corrige. D'ailleurs, regardez le dernier verset. Ils diront, ils appartiennent à Allah. Dis, ne craignez-vous donc pas. Donc, comment se fait-il, Allah Ta'ala veut dire, comment se fait-il que vous sachiez que c'est moi qui ai créé les cieux et la terre, c'est moi qui ai un trône, c'est moi qui ai créé les cieux. Il veut dire, normalement, vous me craignez. C'est pour ça qu'il a dit, ne craignez-vous donc pas. Ça dit, vous me craignez pas. Normalement, vous me craignez. Si vous me craignez, ça veut dire, vous m'aurez adoré. Normalement, ça veut dire, Allah Ta'ala veut dire, le résultat final doit être l'adoration, l'ibada, puisque vous reconnaissez que j'existe, que j'ai un trône et que j'ai créé les cieux, la terre, etc. Normalement, ça doit donner comme résultat l'adoration. Allah Ta'ala veut dire, ça ne te sert à rien de dire que Allah existe si tu ne m'adores pas. Donc, je voudrais corriger aux gens et à certains gens, certains, nos pères ou je ne sais qui, de la famille, ils te disent, moi, je crois en Allah. Moi, je sais que c'est lui qui a créé les cieux, la terre, le soleil, la lune et les étoiles. Mais tu lui dis, mais l'adoration, où est? Est-ce qu'il y a la prière, il y a ceci, il y a cela? Ah, il te dit, ça c'est dans le cœur. Ça c'est faux. Naam, ça c'est faux. Ça ne te sert à rien de dire que Allah Ta'ala c'est lui qui a créé les cieux, la terre et les étoiles. Mais encore faut-il l'adorer. Faut-il le craindre. Naam, c'est ça l'essentiel.
pour corriger ça, car beaucoup de gens croient que ça suffit que tu dises que je crois en Allah. Dieu existe, donc ça suffit. Et on continue. Ensuite, il dit. Hein? Qu'est-ce qu'il dit, Cheikh Rahim? Il dit. Qui déjà? Non. On continue. Al-Mu'minun, 88. قل من بيده قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Dit le roi Mohammed, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé. Dites si vous le savez. Réponse 89. المؤمنون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Ils diront Allah. La réponse est Allah. Dit comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés, c'est-à-dire au point de ne pas croire en lui? Ou bien c'est la prise Jacques? Non. On me dit le micro grésille, petit grésillement, peut-être le micro mal branché. Allahu alam. On va voir pour le micro Hada. On va voir qu'est-ce qui se passe. Dites-moi, vous m'entendez maintenant? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? C'est mieux? C'est mieux, alhamdoulilah. Donc j'ai rebranché le micro. Donc, on revient à ce verset, Ils diront Allah. Si tu demandes, yani, qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège? Il n'a pas besoin d'être protégé, ils diront Allah. Donc ils connaissent tout ça. Alors Allah Ta'ala les blâme et dit, comment se fait-il que vous soyez ensorcelés? Non, vous êtes ensorcelés au point de ne pas croire en lui, ici dans ce sens de l'adorer. Sinon croire qu'il existe, Allah Ta'ala vient de citer qu'ils savent ça. Ils savent qu'il détient la royauté dans sa main, il détient toute chose. Mais vous êtes ensorcelés. Au point de ne pas m'adorer. Non. Ensuite, il dit. Zuhruf, 9. Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal-ardha la yaquluna Allah. La yaquluna khalaqahunna al-aziz wal-alim. Et si tu leur demandes, ya Muhammad, qui a créé les cieux et la terre? Ils diront très certainement le puissant, l'omniscient. Les a créés. Grave. Qu'est-ce qui est plus grave? Donc, les kofas qui vont aller en enfer éternellement, non seulement disent que c'est Allah Ta'ala qui a créé les cieux et la terre, mais encore plus grave, ils connaissent certains de ces noms, de ces bons noms, Asma'il Husna. Ils ont dit ici, ils diront très certainement, c'est le puissant, l'omniscient qui les a créés. Donc, c'est pas seulement ils connaissent. Ils reconnaissent que Allah Ta'ala a créé les cieux et la terre, mais encore ils connaissent même certains de ces noms, ces bons noms, comme le puissant ici et l'omniscient. L'Aziz, le puissant, et l'Alim, l'omniscient. Donc, c'est pour cela que les savants disent que, car vous savez, on est en train de parler du tawhid, de la seigneurie. Les savants disent le tawhid des noms et des attributs. Rentre dans la seigneurie, rentre dans le tawhid de Rububiyya et la seigneurie. Car autrefois les savants divisaient le tawhid en deux sortes. Tawhid de la seigneurie, Rububiyya, et il comprend les noms et les attributs, et tawhid de la divinité, l'Uluhiyya. C'est après que les savants ont ajouté la troisième sorte, ils ont fait sortir le tawhid des noms et des attributs, ils l'ont fait sortir, ils l'ont mis à part pour lui donner une grande importance. Sinon, le tawhid de la Rububiyya et des noms et attributs ne fait pas rentrer au paradis. La preuve, ici le kuffar. Non seulement reconnaissent que Allah Ta'ala existe et a créé les cieux et la terre et beaucoup d'autres choses, mais encore, ils connaissent même que c'est Allah Ta'ala le puissant et l'omniscient. Et malgré cela, s'ils meurent sur cette croyance, ils iront éternellement en enfer. Pourquoi?
Y a pas quoi? Il n'y a pas le tawhid de la divinité. Il n'y a pas le tawhid de la divinité. Qu'on verra, inshallah ta'ala, dans un prochain dars, bi'iznillahi ta'ala. On continue. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmallahu ta'ala, dit. طيب دي le commandement d'Allah Azza wa Jalla englobe le commandement universel kawni et le commandement religieux shar'i. Le commandement religieux shar'i. Commandement, ça s'écrit pas comme ça s'écrit avec ENT à la fin. Pas ANT. Al-Muhim. Il a dit ici. Ainsi, Allah étant l'organisateur de l'univers, celui qui décrète ce qu'il veut à son sujet, en accord avec sa sagesse, il en est aussi le juge en y légiférant les actes d'adoration et les règles de transaction, tout ceci conformément à sa sagesse. Quiconque donc adopte en dehors d'Allah un législateur pour ses actes d'adoration ou un juge dans ses transactions a commis un acte de polythéisme et n'a pas accompli sa foi. Ça, c'est vraiment grave. Non. Le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, puisque c'est lui qui commande, ça englobe le commandement universel kawni et le commandement shar'i. C'est-à-dire que Allah Ta'ala, quand il commande l'univers, il commande le soleil, il commande les étoiles, il commande la mer, il commande les montagnes, il commande le vent, il commande la pluie, mais aussi, il a aussi le commandement, naam, religieux. C'est-à-dire, c'est lui qui commande qu'on doit prier, on doit faire la zakat, que telle chose est haram, telle chose est shirk, telle chose ceci, on doit s'en éloigner comme ça. Naam. On ne peut pas, yani, diviser entre les deux. Ils doivent être unis et yani, attachés l'un à l'autre. Il n'y a pas un sans l'autre. Il n'y a pas, je reconnais que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui commande l'univers, mais il ne me commande pas, je fais ce que je veux. Ça ne peut pas marcher. Si tu reconnais que c'est Allah ta'ala qui commande l'univers et le régit, et toi, tu fais partie de cet univers, donc la preuve, tu vis dans son univers, donc tu dois aussi être yani, commandement. Tu dois être aussi commandé par son commandement. C'est pour ça que, yani, en ce sens que Allah Ta'ala a cité dans le Coran, dans plusieurs versets, trois au moins, que celui qui ne juge pas avec les lois d'Allah Subhanahu wa Ta'ala, yani, il devient mécréant. Sûr, ça a des détails, mais c'est la règle générale. Le verset que quiconque ne juge pas avec les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'on ne juge pas avec les lois d'Allah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je reconnais le commandement universel, que c'est Allah ta'ala qui a créé l'univers et m'a créé. Mais je ne reconnais pas le commandement religieux. Mais je dis je peux faire des lois, yani, adaptables aux êtres humains, et je n'ai pas besoin des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Or, c'est pas vrai. Si tu veux faire des lois et les appliquer aux gens, comme disent les savants, il faudrait que ça soit toi qui crées ces gens-là. Si une personne peut créer, naam, des gens, naam, et un peuple, naam, alors elle a le droit, dans ce sens, de quoi? De leur faire appliquer ces lois. Parce que c'est toi qui les as créées, donc tu as le droit de faire des lois. Mais tant que les créatures ne sont pas des créatures, c'est Allah qui les a créées. Donc, ils doivent y aller marcher avec, et être régis avec ses lois à lui, pas à nous, pas à nous. J'ai donné l'exemple que toi, tu n'acceptes pas que ton voisin soit lui qui donne des ordres à ton fils. Pourtant, tu n'as pas créé ton fils et tu ne veux pas. Tu es jaloux, hein? Je dis comment? Moi, mon fils, c'est mon voisin qui commande, c'est lui qui lui dit montre ce qu'il doit faire et ne doit pas faire, j'accepte pas ça. Comment veux-tu que Allah Ta'ala, qui t'a créé, c'est pas seulement enfanté, créé. C'est pas comme nous on a enfanté nos enfants. Non, Allah Ta'ala nous a créé du néant. Ensuite,
C'est d'autres gens qui nous commandent avec d'autres lois. C'est pas possible. Allah dit, c'est pas possible. Celui qui a créé, c'est lui qui a le commandement. C'est lui. Et encore, pourquoi? Et c'est pour nos intérêts. C'est pas seulement parce que c'est un droit. C'est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce soit lui qui nous commande. Mais encore, c'est parce que c'est dans nos intérêts. Car celui qui t'a créé, quand il régit une loi, il sait dans des milliards d'années ce qui va se passer. Non. Alors que celui qui va te faire une loi, il sait même pas demain ce qui va se passer, il sait pas. Dans 5 minutes, ce qui va se passer, il sait pas. Alors il te met une loi, ensuite, un mois après, 2 mois, il dit, ah, on savait pas que ça allait donner ceci, cela, et que ceci, cela. Ça n'a pas marché. Mais Allah Ta'ala, quand il donne une loi, naam, il instaure une loi dans le Coran ou la Sunna, c'est une loi qui ne contient que nos intérêts, qui ne contient que notre joie, notre plaisir, notre bonheur, et qui par la fin va nous rentrer au paradis. Alors que les lois humaines, naam, ne peuvent être acceptées que si elles ne contredisent pas par exemple, le Coran et la Sunna. S'il y a une loi qui dit que cette rue, on va mettre un sens interdit dans cette rue. Non, ça, ce n'est pas grave. Pourquoi? Ça ne contredit pas le Coran et la Sunna. Au contraire, ça préserve en mettant ici un sens interdit. Donc, pourquoi? Car il y a des voitures, par exemple, qui viennent aussi. Donc, ce serait bien pour qu'il n'y ait pas d'accident de mettre un sens interdit vers, par exemple, cette direction. Donc, ça, c'est pour nous préserver aussi. Mais une loi qui viendrait, yani, contredire le Coran ou la Sunna, hein, comme par exemple certaines lois qui disent que par exemple la femme peut se marier sans le tuteur. La femme, si elle est majeure, elle est libre. Elle peut se marier sans le tuteur. Alors c'est une loi qui contredit carrément le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit la nikah illa bi wali. Pas de mariage sans le tuteur. Non. La femme a beau être intelligente, avoir un doctorat, avoir je ne sais quoi, elle ne peut, yani, savoir si cet homme lui convient ou pas, comme yani, son tuteur. Son tuteur qui va chercher auprès de cet homme, yani, dans son quartier, dans sa famille, demander à ses amis, ceci, cela, là, il connaît mieux qu'elle. Elle, des fois, elle voit quelqu'un, le chétan rentre, elle dit, celui-là, c'est celui qui, yani, il me plaît pour le mariage, il n'y a pas mieux que lui. Alors que ça va être, le mariage avec lui, ça va donner une grande catastrophe, une grande catastrophe. Mais le wali sait, il sait que cette personne ne convient pas, par exemple. Et ceci est basé seulement, cette union est basée seulement sur des passions. Mais c'est pas celui-là qui lui convient. Celui qui lui convient, c'est l'autre qui lui a demandé sa main, par exemple, la fois passée. C'était celui-là qui convient, par exemple, ou celui qui va venir. Et comme ça. El-Mohim. Ça, c'est pour, yani, croire en la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le prochain cours, bi-idhnillahi ta'ala, c'est croire en sa divinité, l'uluhiyya. Et c'est le plus important, croire en la divinité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, on arrête, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Je vous donne 5 minutes ou 10 minutes pour les questions. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. D'une sœur, question sur la prière. Un proche qui s'est fait opérer au niveau du fessier, la plaie n'a pas été refermée, donc la douleur est assez intense et le sang coule beaucoup. Mais il aimerait savoir s'il peut prier autrement que debout à la mosquée. Jazakallahu khayran wa barakallahu fi le cher. Tafadhal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith authentique, quelqu'un est venu se plaindre à lui, il lui a dit, attendez, j'ai oublié comment ça s'appelle, comment ça s'appelle, bawasir? Bawasir, j'ai oublié comment ça s'appelle en français. Des choses qu'on a
dans le derrière et qu'on peut ni s'asseoir ni rien, ça fait mal. Comment ça s'appelle ça en français? J'ai oublié. Voilà, les hémorroïdes. Jazakallah. Il lui a dit, j'ai des hémorroïdes. Comment je fais? Il lui a dit, prie debout. Si tu ne peux pas, prie sur ton flanc. Donc, la règle, c'est quoi? C'est que toute personne doit prier debout. Pour les prières obligatoires. Bien sûr, je ne parle pas des nawafil. Toute personne doit prier d'abord debout. Si elle ne peut pas, elle prie en étant assis. Si elle ne peut pas en étant assis, elle prie sur le flanc, le côté. Si elle ne peut pas sur le côté, sur son dos et comme ça, jusqu'à ce qu'elle trouve la position, yani, dans laquelle ou avec laquelle elle peut prier. C'est pour ça que on doit commencer toujours par debout. Si je ne peux pas, je m'assois. Si je ne peux pas m'asseoir, donc je prie sur le flanc, sur le côté. Autre chose. Pour la personne qui ne peut pas se tenir debout, qui doit prier assis, en étant assis, il n'est pas permis d'aller directement s'asseoir. Mais je dois d'abord dire Allahu Akbar en étant debout, ensuite je m'assois. Et quand je dis Allahu Akbar en étant debout, je ne m'assois pas directement. J'essaie de me retenir autant que je puisse. Mais si je ne peux pas, je m'assois. Mieux que cela, comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen. Maintenant, tu t'es assis, tu vas prier assis. Si maintenant, tout en étant assis, tu peux te lever, là où tu sens que tu peux te lever, tu te lèves. Et comme ça. Pourquoi? Car certains croient que, puisqu'ils ne peuvent pas prier debout, donc ils prient carrément assis et ils s'assoient directement. Alors que, il peut lire, par exemple, le Fatiha debout. Ou alors il peut lire la moitié de le Fatiha debout. Ou alors il peut lire le début de la Fatiha debout. Donc personne ne peut s'asseoir jusqu'à ce qu'il fasse le maximum pour faire quelque chose debout. Ne serait-ce que dire Allahu Akbar, ou bien dire A'oudhou billahi minash shaitani rajim, Bismillahir Rahmanir Rahim, ou bien dire le début de la Fatiha debout. Ensuite, quand il ne peut pas, il s'assoit. Mais si vraiment, 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 la personne ne peut en aucun cas yani, rester debout, dans ce cas, bien sûr, elle est excusée, elle prie en étant assis ou bien sur le côté. Wallahu ta'ala alam, tafadhal. Deuxième question. Afouane, je regarde. Donc, je ne sais pas le pseudo, on ne peut pas dire si c'est une sœur ou un frère. Quand j'étais jeune, j'ai prié beaucoup de salat en état de janaba, car je ne savais pas qu'il fallait faire les grandes ablutions. Je ne sais pas si ça se compte en moi ou en nez. Dois-je les rattraper, sachant que j'étais ignorant et que j'ai arrêté et repris la prière entre-temps? Et que j'ai arrêté et repris la prière entre-temps. Quand une personne, ne connaissait pas le dîn et a prié d'une façon fausse, comme par exemple ici, en étant janaba, et ne savait pas qu'il y avait le ghusl, etc., elle ne refait pas la salade d'autrefois. Mais, dorénavant, c'est-à-dire les salades qui vont venir, elles doivent être, elles doivent être faites d'une façon, faite avec science. Autrefois, c'était le djehl, nam. Et le dalil, c'est quoi? C'est la sahabiya, radiyallahu ta'ala anha, Zaynab, nam, bintu Hubaysh ou bien bintu Jahsh. Quand elle est allée voir le prophète, alayhi sallam, elle lui a dit, j'ai les métroragies, nam. Et donc, je prie pas. Il lui a montré, sallallahu alayhi wa sallam, que, bien qu'en ayant les métroragies, on doit prier. Et le témoin du cours, il lui a pas dit, va rattraper les prières que tu n'as pas faites en état de métroragie. Pourquoi? Parce qu'elle l'ignorait. Mais dorénavant, maintenant qu'elle sait que même avec les métroragies, on prie, donc dans ce cas, elle ne doit pas laisser la prière. Mais pour les salats passés, qui n'ont pas été priés à cause de l'ignorance, croyant que les métroragies empêchent la salat, dans ce cas, elle est excusée. Elle est excusée. Non. Même si on va dire que il est possible que la personne il est possible qu'une personne ait des péchés à cause de quoi? À cause de ne pas avoir demandé
Allah Ta'ala dit, s'alou ahl al-dhikr in kuntum la ta'lamoun. Et demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas. Et demandez aux gens. Est-ce que vous m'entendez? Non. Donc, j'ai terminé la réponse. Je vous donne le numéro. Donc, cher, si vous me le permettez, si on pourrait revenir à la question 3, car apparemment. Par rapport à la question numéro 3, question qui était par rapport, je n'observe pas auparavant le liquide blanc, signe de purification des monstrues, mais depuis quelques cycles, je l'observe après que toute sécrétion jaune ou terne ne se soit vraiment arrêtée. Alors je fais le rousse, le croyant être purifié, puis le jour d'après, j'observe ce liquide, je refais donc le rousse et pris. Donc j'avais oublié de vous dire, mon problème est que je ne suis pas sûr de toujours observer ce liquide, j'ai surtout peur de rater sa vision et donc de ne pas savoir quand recommencer à prier. Donc d'après moi, vous aviez répondu à la question, même si j'avais oublié ça, mais la personne voudrait un peu plus, voudrait que vous y répondiez, à moins que je me suis trompé, je ne sais pas, trop de l'yachir. Quand la femme a les menstrues, elle ne doit pas se presser, naam, pour aller faire le rousse. Jusqu'à ce que elle voit le liquide blanc, si elle est du genre qui voit le liquide blanc. Sinon, elle attend que ça soit vraiment sec, si elle est du genre qui n'a jamais le liquide blanc. Mais toute femme qui a le liquide blanc n'a pas le droit de se baser sur la sécheresse. Ils disent c'est sec, donc je prie, même si avant que le liquide blanc ne sorte. Non, c'est pas possible. C'est pour cela que certaines opinions, les sahabiyat radiyallahu ta'ala anhunna, au temps du prophète alayhi sallam, elles envoyaient à Aïcha radiyallahu ta'ala anha. Elles mettaient un coton dans les parties intimes et lui envoyaient pour voir. Elle voyait Aïcha radiyallahu ta'ala, puisque c'était une montagne de science. Donc elle voit et elle répond. Qu'est-ce qu'elle répondait la plupart du temps? Elle dit, il faut pas se hâter jusqu'à ce que vous voyez le liquide blanc comme l'argent. Le liquide blanc comme l'argent. Donc, s'il y a quelque chose à prendre de cette chose-là, on prend quoi? On prend que yani, le domaine des monstrues, c'est vraiment un domaine vaste et qui n'a pas de fond. Subhanallah l'adim. C'est pour ça que Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, lui-même dit, il dit vraiment le domaine yani, des monstrues, c'est un domaine qui n'a pas tellement c'est large, tellement c'est vaste, tellement c'est compliqué, tellement ça change d'une femme à l'autre, d'une femme à sa sœur, à sa mère, c'est pas la même chose. Et comme ça, les sahabiyettes, elles avaient des problèmes. Elle sait pas si elle est pure ou pas. Et il faut dire la ta'ala pour qu'elle lui dise non ou bien tu es pure. Donc c'est vraiment un problème. Que la personne craigne Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle puisse, que la personne craigne Allah subhanahu wa ta'ala autant qu'elle puisse. Tayyib, tfaddal. J'avais oublié de mettre la fin, mais bon, vous avez très bien répondu, même si je n'ai pas mis la fin. Donc, alhamdoulilah, donc nous allons passer à la question suivante, Yacher. Question numéro 4. Donc, la personne demande, Yacher, alhamdoulilah, qu'Allah vous accorde le succès dans cette vie et l'au-delà, ainsi que votre famille et tous les frères et sœurs présents sur votre room. Ma question est sur le tawhid de la Seigneurie. Si j'ai bien compris, il englobe les noms et attributs, mais pourquoi parler donc du tawhid asma wa sifat et pas l'intégrer dans la rububiya? Hayyakumullah, Yacher, wa jazakallahu khayran. Justement, les savants ont remarqué que beaucoup de croyants, de musulmans, ne donnent plus maintenant beaucoup d'importance aux noms et aux attributs. Ils disent que puisqu'ils rentrent dans le tawhid de la seigneurie, ça suffit. Le tawhid de la seigneurie, ça suffit. Et donc les noms et les attributs, c'est juste une petite chose qui se trouve à l'intérieur. Alors que ils ont dit non, c'est pas comme ça. Ils ont dit donc on va le sortir du tawhid de la seigneurie et on va le mettre tout seul. Yani, pourquoi? Quand on va le sortir et le mettre tout seul, ça veut dire on doit maintenant lui donner une grande importance. Il existe comme sorte de tawhid et pas comme quelque chose qui est sous. Yani, elle se trouve dans un autre groupe, et elle est sous-jacente, comme on dit. Non. Maintenant, c'est un, yani,
C'est un tawhid à part, le tawhid des noms et des attributs. Et ils ont commencé à détailler dans ce tawhid, vu son importance et vu que beaucoup de musulmans l'ont yani, presque ignoré. C'est pour ça que les savants ont décidé de le faire sortir du tawhid rububiyya et de lui donner un statut à lui-même, tellement il est important, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal. Donc nous allons passer à la question numéro 5, question d'une sœur qui demande « Ma question concerne la salat. Depuis que j'ai eu une ligature des trompes pour cause de problèmes de santé, j'ai des règles très longues. La docteur m'a dit que ça pouvait arriver et que ça prendrait quelques mois pour se régler. Ça fait plusieurs mois que j'ai des règles de 11 à 13 jours. Cher, je suis éprouvé par un sihr avec possession et ce longtemps loin de mes salat et de la lecture du Coran ne m'aide pas à la guérison. » Et je pense aussi que ce problème vient de ce mal occulte. Est-ce que cela est possible que le djinn puisse provoquer ceci? Cher, ma question est de savoir s'il y a un avis qui donne une période maximum aux règles et qu'après cette période, je peux me laver et reprendre mes salawettes. La bistawri, incha'Allah. Tfadal, ya cher, wa jazakallahu khayran. Beaucoup de savants, entre autres, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah ta'ala, et de l'avis que les règles ne peuvent pas dépasser 15 jours. 15 jours. Sinon, ça devient métrorragie. Mais ici, la sœur dit que c'est 11 à 13 jours. 11 à 13 jours, c'est possible. 11 à 13 jours, c'est possible, car ça n'a pas dépassé la moitié du mois. Car les savants ont dit, c'est pas possible que les règles dépassent la moitié du mois. Nam. La femme doit être en adoration beaucoup plus que être empêchée d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a créé. Mais c'est pour ça que les règles, c'est toujours, ou la plupart du temps, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Non, mais disons au maximum 15 jours, pas plus. Sinon, ça devient métrorragie. Quant à l'autre question à l'intérieur qui dit, est-ce que ça peut être provoqué par un djinn? Je dis, c'est provoqué par, comme a dit le prophète, alayhi sallam, shaitan. Il a dit qu'il donne un coup de pied, un coup de pied, à une certaine veine dans les parties intimes de la femme qui éclate. Quand ça éclate, ça donne les métrorragies. Donc le djinn et le shaitan ont sa relation avec les métrorragies et autres, et autres. Donc ici, c'est possible. Wallahu ta'ala alam. Reste une chose qui dit. Et selon ce longtemps, loin de mes salat et de la lecture du Coran, ne m'aide pas la guérison. Je dis, loin de la salade, c'est possible. Mais loin de la lecture du Coran, non. Pourquoi? Parce que la femme peut lire le Coran, mais elle ne le lit pas du livre, c'est tout. Même en métrorragie ou bien l'akhar. Elle le lit avec quoi? Par exemple, sur le téléphone, sur le PC. Sur, elle lit comme ça. Ou alors, comme disent certains, seulement avec les yeux. Donc ça, c'est possible. Ce n'est ni les règles, ni les métrorragies qui peuvent l'empêcher. Ça l'empêche bien sûr de le toucher, de le toucher avec la main. Et encore quand c'est des monstrues, pas les métrorragies. Non. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Donc la personne, même si elle prie pas, elle doit quoi? Elle a yani, d'autres moyens pour inshallah ta'ala faire augmenter sa foi, d'écouter le Coran, de le lire, d'écouter les cours, de lire les livres de science, d'écouter yani, les savants ce que disent dans les audios, dans ceci, dans cela. Le moyen, la personne ne doit pas yani, être distraite et passer son temps en face de la télévision, par exemple, ou en face de la compagnie qui ne cesse de rire du matin au soir, comme ça, elle va s'éloigner. Mais même avec les monstrues, la femme peut être yani, avec une relation étroite avec son din. Et ceci en avec l'apprentissage de la science, bi'idhnillahi ta'ala. Naam, tfaddal. Jazakallahu khayran, ya cheikh, pour toutes ces explications. Donc nous allons passer à la question numéro 6. Question numéro 6. Donc la personne demande qu'Allah bénisse ainsi que les admins, qu'Allah azzawajal vous bénisse ainsi que les admins et les frères et sœurs. Ma question se porte sur le cours dernier, c'est-à-dire samedi dernier. J'ai eu des soucis de connexion à un moment donné et j'aurais aimé que vous réexpliquiez sur le sujet du malade pour guérir et construire un puits. Le fait de construire un puits,
Ceci est une cause de guérison, donc la personne aimerait avoir des explications par rapport à cela. Tafaddal cheikh, wa jazakallahu khairan. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la meilleure des aumônes, c'était l'eau. Donner de l'eau, c'est la meilleure des aumônes. Il y avait quelqu'un des salafs, et c'est une histoire authentique, Cheikh Al-Albani l'a authentifié, rahimahullah ta'ala. Et je vous ai dit la fois passée que moi-même, yani quand j'étais au Koweït, j'ai fait une khutba et j'ai cité cette histoire. Et avant de la citer, bien sûr, j'ai bien vérifié son authenticité. Et moi, il y avait un des salafs, rahimahullah ta'ala, qui avait une plaie dans son genou. Et cette plaie coulait toujours du pu ou du sang. Elle ne voulait pas sécher. Il a été voir un savant, et ce savant lui a conseillé, lui a dit, écoute, il n'y a pas comme l'eau, naam, c'est la meilleure des aumônes. Et, bi'idhnillahi ta'ala, ça rentre dans la guérison, car le prophète, alayhi salam sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, soignez vos malades par l'aumône. Et maintenant, si on va attacher ce hadith avec l'autre hadith, la meilleure des aumônes, c'est l'eau, qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner, soignez vos malades avec la sadaqa de l'eau. El Mouhim, il lui a dit, écoute, va chercher, il demande s'il y a un petit village ou quelque chose comme ça, où les gens n'ont pas d'eau et essayent de leur creuser un puits. Ou bien, j'ai oublié, ou bien il lui a dit, il y a tel ou tel petit village où les gens, yani, n'ont pas d'eau. Va là-bas et creuse un puits. Tu guériras bidnay ta'ala. Et la personne, c'est ce qu'elle a fait. Elle est partie vers ce petit village. Et elle a dit, vous n'avez pas d'eau ici. Non, on n'a pas d'eau. On va chercher de l'eau avec des bidons, je ne sais pas combien de kilomètres. Moi, il a construit un puits. Maintenant, est-ce que c'est lui qui a creusé? Ou bien il a payé des gens pour creuser, ce n'est pas important. L'essentiel, il l'a creusé avec son argent. Ou bien avec sa main, c'est lui qui a creusé. Ça aussi, je ne me rappelle pas. Le rapporteur du hadith dit, quand il a commencé à creuser, hein, vous savez, on creuse, il n'y a rien, il y a de la terre. Ensuite, à un certain moment, la première goutte d'eau a fait son apparition à jaillit. Il a dit à la première goutte d'eau qui a jailli, Nam, j'ai regardé ma plaie, elle a séché. D'un coup, Nam, à la même seconde où la première goutte a giclé et a jailli, sa plaie a séché, yani, depuis ce jour-là. Et il a été guéri, bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala, et c'est une histoire authentique. Donc, la meilleure des aumônes, ou alors l'une des meilleures, c'est l'eau. Et l'eau, c'est ou bien je donne de l'eau à quelqu'un qui a soif, ou bien je creuse un puits, ou bien... Femme, t'as l'arsab, d'après l'argent que j'ai, d'après... Bien sûr, un puits, c'est vraiment quelqu'un qui a... Bi'idhnillahi ta'ala, c'est vraiment rapproché du paradis. Quelqu'un qui creuse un puits, ou là, qui paye pour creuser un puits, ou bien qui participe pour qu'on creuse un puits pour yani des gens qui n'ont pas d'eau, c'est que vraiment Allah Ta'ala t'a ouvert une porte yani de miséricorde. Que Allah Ta'ala nous aide. Tafadhal. Jazakallahu khairan ya Cheikh. Donc nous allons passer à la question suivante, question numéro 7. Donc question numéro 7, question d'une sœur qui demande: Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous accorde le paradis ainsi qu'à votre famille et à tous ceux qui nous écoutent. Donc la sœur demande: nous avons vu dans un précédent cours qu'Allah Ta'ala ne nous donnait pas de paradis, mais soit un ici-bas ou soit dans l'au-delà. Cela me cause à la fois beaucoup de problèmes, car après des années de mécréance et de souffrance, alhamdoulillah, mon mari et moi avions été guidés, alhamdoulillah, et avions fait le repentir.
Depuis, je me sens comme au paradis et je suis ravi de ce qu'il nous arrive, alhamdoulilah. Mais parfois, je me dis qu'Allah Ta'ala m'a accordé ses bienfaits pour mieux me punir dans l'au-delà et cela me rend triste, voire déprimé. Il y a des jours où je me dis même qu'Allah Ta'ala ne me parlera pas le jour du jugement à cause de nos péchés. Tafadhal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. Donc la personne a dit, nous avons vu dans un cours précisé, et vous avez remarqué, la personne a dit, nous avons vu. Elle n'a pas dit, vous avez dit. Al-Muhim, dans un cours précédent, que Allah Ta'ala ne nous donnait pas de paradis. Mais soit ici en bas, soit ici. Soit un ici, bas, ou soit dans l'au-delà. Ça me cause beaucoup de problèmes. Car après des années de méchance, de souffrance, alhamdoulilah, moi et moi avons été guidés, avons fait le repentir. Depuis, je me sens comme au paradis, je suis ravi de ce qui nous arrive, alhamdoulilah. Pourquoi je me dis que Allah Ta'ala m'a accordé ses bienfaits pour mieux me punir dans l'au-delà, et cela me rend triste, voire déprimé. Il y a des jours, je me dis que Allah Ta'ala ne parlera pas le jour du jugement dernier à cause de nos péchés. Tout ça, bien sûr, la dernière phrase, ça vient du shaitan, ça vient des waswas, et ça vient... Il y a du shaitan qui veut quoi? Qui veut me donner l'angoisse, qui veut me faire peur, et qui veut que j'apostasie même. Que je dise, Allah Ta'ala ne va pas parler, donc je suis en train de perdre mon temps. À quoi ça sert? Il vaut mieux profiter de cette vie, naam, que de ne rien avoir, ni ici, ni dans l'au-delà. Naam. Que Allah Ta'ala, donc, subhanahu wa ta'ala, nous préserve. Je dis, Naam, quand on dit que Allah Ta'ala ne joint pas entre les deux paradis, comme le prophète alayhi salatu wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit que Allah Ta'ala ne donne pas de sécurité. Celui qui a été ici en sécurité, naam, il aura peur yawm al-qiyama. Et celui qui avait ici peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, il sera en sécurité. Ça aussi c'est un hadith authentique. Quand on dit ça, on parle des deux paradis que Allah Ta'ala ne donne pas, ça ne veut pas dire, et il ne faut pas oublier que Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala a dit que ici, dans ce bas monde, Allah Ta'ala a créé un paradis. Celui qui ne rentre pas, ne rentrera pas celui de l'au-delà. Et ici, le paradis, c'est le paradis du bonheur du cœur. Naam. Je me sens, masha'Allah, je me sens heureux, je me sens joyeux à cause de mon dîn, je me sens... Donc, toute cette chose, la sœur qui a posé la question le ressent. Elle dit, je relis un peu plus haut, elle dit, parfois, donc, depuis, je me sens comme au paradis, je suis ravi de ce qui nous arrive, alhamdoulilah. Donc, elle dit, alhamdoulilah. Donc, elle dit, c'est une preuve que, yani, Allah Ta'ala lui a donné le paradis du cœur. Ce que Allah Ta'ala ne donne pas les deux paradis, c'est le paradis, yani, de cette dunya qu'il a donné au kuffar. Le kafir lui a donné de Allah Ta'ala ce paradis. Pourquoi? Car il n'aura pas l'autre yawm al-qiyama. Mais, même s'il lui a donné ce paradis, il lui a donné aussi l'enfer du cœur. Il vit avec l'angoisse, il se suicide, il a le cœur serré, le cœur gros, tout, la dépression, il pleure, le kafir, alors qu'il a tout. Le croyant, non, alhamdoulilah, peut-être il n'a rien. Mais, il est heureux, il est gai, il pense à que demain il va rencontrer Allah, demain c'est le paradis, demain il va voir le prophète alayhi sallam, il va voir les autres prophètes, il va voir les sahaba, il va voir sa famille qui sont morts, yani, croyants, et tout ça, yani, ça remplit de son cœur de joie. Il est, yani, il se sent le plus heureux. Donc je dis à cette personne que, yani, alhamdoulilah, que tu te sentes heureuse et que tu te sentes ravie ou yani, que tu acceptes ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, ça c'est une grande ni'ma. Mais, naam, il faut enlever. Je me dis que Allah Ta'ala m'a donné ses bienfaits pour mieux me punir dans l'au-delà. Non, tant que je crois en Allah subhanahu wa ta'ala, au jour dernier, et que je l'adore et je fais des efforts, même s'il m'enrichit matériellement, il m'enrichit matériellement et que je deviens riche, ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala veut me punir. Là, ça n'a rien à voir. Allah Ta'ala punit celui qui est loin de lui, celui qui n'a pas la foi, celui qui fait les grands péchés, celui qui meurt sur le shirk, celui qui meurt sur les grands péchés s'il ne lui pardonne pas. Et comme ça. Et tant que la personne fait des efforts
Et maintenant, si Allah Ta'ala veut enrichir une personne, par exemple, et lui donner le rizq, et lui donner une belle voiture, et lui donner un bateau, et cette personne, Allah Ibarak, ne loupe jamais ses prières, elle jeûne, elle fait la zakat, elle va au hajr, c'est une ni'ma, ma'alish, c'est une ni'ma. Naam. Pourquoi? La personne ne vit pas pour ces choses, mais Allah Ta'ala l'a gratifié de ces choses. Allah Ta'ala a voulu qui lui donne. Il y avait des sahabas qui étaient vraiment riches, comme Abdurrahman ibn Awf, radiyallahu ta'ala anhu, comme Abu Bakr Siddiq, comme Uthman ibn Affan, radiyallahu ta'ala anhu. Même des prophètes qui étaient vraiment riches. Naam, il n'y a pas de contradiction. Tant que la personne utilise ce que Allah Ta'ala lui donne comme richesse, utilise dans le ravissement d'Allah Ta'ala, dans le halal, pas dans l'alcool, pas dans la zina, pas dans la drogue, pas dans la musique, dans les choses halal, Allah Ta'ala yani, aime voir sa ni'ma, aime voir que yani, les gens yani, reconnaissent la ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je dis à cette personne, inshallah ta'ala, accroche-toi bien, enlève les ouswes, Allah Ta'ala qui ne va pas te parler, ça c'est toi seulement qui dis, c'est le shaitan et c'est ton nefs. C'est pas Allah Ta'ala qui a dit ça, ni le prophète alayhi salam. Allah Ta'ala ne parlera pas à certains gens qui ont fait tel et tel péché qui sont connus. Non. Et d'ailleurs, tous leurs péchés leur ont pardonné et changé en bonne action. Bien sûr, comme dans le verset, le hadith, les reconvertis ont cette chance, si je puis dire, cette faveur, que quoi? Que tous les péchés qu'ils ont fait dans le passé se reconvertissent en récompense. Pourquoi? Parce qu'un reconverti, il se peut par exemple qu'il se reconvertisse à 50 ans ou 60 ans, c'est un exemple. Et il meurt à 65 ans. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait 3 ou 4 ans de prière. Qu'est-ce qu'il va rencontrer chez Allah comparé à celui qui a ouvert les yeux à l'âge de 8, 7 ans et a commencé à prier et à adorer Allah? Donc Allah Ta'ala leur donne une faveur, c'est que tout ce qu'ils ont fait comme yani, chose pas bien, quand ils étaient dans le coffre, Allah Ta'ala leur transforme ça en bonne action. Et ça c'est vraiment une ni'ma. Non, ça c'est une ni'ma que le musulman simple qui n'était pas kafir et est devenu musulman, il ne l'a pas. Et voilà le hadith d'après Abu Huraira que Allah Ta'ala l'agrée, le prophète alayhi sallam a dit, il y a trois personnes à qui Allah ne va pas parler au jour du jugement, ne va pas les purifier, ne va pas les regarder. Voilà, ce hadith, je voulais le citer par rapport à quand elle a dit, il ne va pas me parler. Quand j'ai dit que Allah Ta'ala ne va pas parler à certains gens, je pensais à ce hadith. Regarde, il y a trois personnes à qui Allah Ta'ala ne va pas parler, et ni les purifier, ni les regarder. C'est qui? Un vieillard, ou bien une vieille aussi, une femme, qui commet la fornication. Un roi menteur et un pauvre orgueilleux. Or, toi, qui poses la question, est-ce que tu fais partie de ces trois? Est-ce que tu es une vieille femme qui fait la zina? Non. Une reine qui ment? Non. Un pauvre yani, qui est orgueilleux? Non. C'est quelqu'un qui a peur d'Allah et qui voudrait se rapprocher. Donc, Inch'Allah Ta'ala, je vous annonce la bonne nouvelle. Naam. Continuez sur le droit chemin, accrochez-vous au maximum et enlevez les wasawis bi'idhillahi ta'ala. Que Allah Ta'ala nous aide. Fadda. Allah khayran ya cheikh. Donc nous allons passer à la huitième question. Question d'une sœur qui demande, est-il possible pour une personne de se convertir à l'islam alors qu'elle ne sait pas ce qu'est le monothéisme? Comment lui faire comprendre que la connaissance d'Allah Azza wa Jal est primordiale pour être ferme dans sa religion? Aussi, pouvez-vous lui donner un conseil? C'est une fille de 13 ans. Son père est islamophobe et elle a peur de ce qui pourrait se passer s'il apprend qu'elle s'est convertie. Elle aspire très fortement à porter le voile, mais craint de se mettre en danger. Tafadhal ya cheikh wa jazakallah khayran. Une personne, quand elle veut se reconvertir, il faudrait qu'elle comprenne. Pas tout, il y a de l'islam en détail. Mais les grands axes, comme on dit, dès qu'elles comprennent, qu'est-ce que ça veut dire? J'atteste qu'il n'y a de divinité qui mérite d'être adorée qu'Allah subhanahu wa ta'ala.
Et qu'est-ce que ça veut dire? J'atteste que Mohammed est son prophète. Et je lui résume très vite. Je ne vais pas lui expliquer, il y a des heures et des heures, pour lui compliquer les choses, et qu'elle va dire, ah, c'est vraiment difficile. Comme certains disent, voilà, si tu veux rentrer en islam, la ilaha illallah, Mohammed Rasulallah, ça a 17 conditions. 17 conditions. Ah, la personne va dire, ah, 17, non, c'est quoi les conditions? Ceci, cela, oh, ça, c'est difficile, c'est dire, oh, non, je peux pas. Donc, je reste comme ça chrétien. Non, je lui dis que l'islam, l'âme, si tu veux rentrer en islam, tu dois attester que seul Allah Ta'ala doit être adoré et que Mohammed Islam est son prophète. L'âme. Et maintenant, en reconnaissant cela, puis tu reconnais que seul Allah Ta'ala doit être adoré, on doit donc, yani, accepter tout ce qui vient de lui et appliquer autant qu'on puisse. Et la même chose pour le prophète, alayhi salam. Tout ce qu'il dit, on doit, yani, le croire en ce qu'il dit, et, yani, appliquer ce qu'on peut, yani, ce qu'on peut. Et tout ce qui nous a interdit, on essaie de le laisser petit à petit, petit à petit. Et comme ça, pour ne pas faire peur à la personne. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Cheikh Al-Albani a cité ça, une personne est venue lui dire, je veux rentrer en islam, mais à condition que je ne donne pas la zakat et que je fasse pas le djihad. Il a accepté. Alayhi salatu salam. Imaginez-nous que quelqu'un vienne nous dire, je veux rentrer en islam, mais à condition que je boive l'alcool. Qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire non. Alors ne rentre pas. C'est comme si c'était notre religion. C'est nous qui commandons. Non, ne rentre pas. On n'a pas besoin de toi. Il veut rentrer, oui, rentre. Rentre en islam. Je te dis pas de boire. C'est interdit de boire, mais rentre en islam. Inch'Allah, la boisson, tu la délaisseras. Rentre en islam. Accepte de rentrer en islam. Quelqu'un est venu au prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Cheikh Al-Albani a cité ça aussi. Et lui a dit, je prie, à condition que je prie seulement deux fois par jour. Pas cinq fois. Il lui a dit, ma'alish, rentre en islam. Il lui a dit, après, inshallah ta'ala, c'est tahassan islamu. Son islam va s'améliorer. Et comme ça, on accepte des gens petit à petit. Non. On les fait venir doucement, doucement. On commence pas par leur dire, ça c'est haram, ça c'est haram, ça c'est haram. La musique c'est haram, la cigarette c'est haram, la drogue c'est haram, ceci c'est haram, la musique c'est haram, les femmes c'est haram, le dancing c'est haram, la piscine c'est haram. Et comme ça, aïe, tout est haram, 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 allez, moi je vais chez moi, vive la musique et les femmes, allez. Et il va plus revenir. C'est pas comme ça. Il faut aller doucement avec lui, doucement. C'est pas notre dîn. C'est pas mon dîn, ni celui de mon père, ni de ma mère. C'est le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui commande. C'est lui qui commande. Et c'est lui qui nous dit comment qu'on doit faire. C'est pas nous qui décidons ce qu'on veut. Et on fait rentrer qui on veut. Et on chasse qui on veut de l'islam. C'est pas comme ça. Non, donc je dis à cette sœur de 13 ans, non, qu'elle apprenne, nam, qu'on lui montre c'est quoi l'islam, on lui explique, et qu'elle fasse la shahada, ensuite elle fait petit à petit ce qu'elle peut, petit à petit ce qu'elle peut, nam. Et quand elle sent qu'elle peut faire la chose, elle la fait. Quand elle sent qu'elle peut pas, nam, ou bien elle fait en cachette, ou bien elle fait avec, comme la prière, elle fait avec, en étant assis, ou bien avec ses yeux, ou bien... Il y a toujours, inshallah ta'ala, un moyen jusqu'à, comme dit Cheikh Fawzan, qu'elle se marie, qu'elle soit seule, etc. et qu'elle puisse faire ce qu'elle veuille, bi'idlillahi ta'ala. Tfadal. Amin, jazakallahu khairan, ya Cheikh. Donc nous allons passer à l'avant-dernière question, question numéro 9, ya Cheikh. Question d'un frère qui demande, hayyikumullah, ya Cheikh, ma question, sachant que je ne garde pas mes ablutions, donc je refais mes ablutions au moment de l'entrée de la salat. Mais si au masjid, ils font l'appel un peu plus tard que l'entrée de la salat, que dois-je faire? Faire les ablutions à l'heure du masjid? Ou est-ce que je peux le faire avant si l'entrée de la salat est passée? Barakallahu fikum wa jazakallahu khayran ya shir. Qu'Allah vous préserve, shir, ainsi que tous les admins et les frères et sœurs. Tfadal ya shir. Je conseille pour un cas pareil, Wallahu ta'ala alim, je conseille. Au masjid, ou du moins chez nous, chez vous je ne sais pas, mais je pense que ça doit être la même chose. Au masjid, s'il y a, si on fait les ablutions,
laisse donc les ablutions et fais-les au masjid. Comme ça, c'est-à-dire que il ne reste pas yani, une grande distance entre toi et la salat. Naam. Si tu les fais à la maison, tu ne tiens pas les ablutions. De la maison pour aller à la mosquée, peut-être c'est un peu loin, peut-être le bus, peut-être la voiture, peut-être je sais quoi, tu risques de perdre des ablutions, ça devient un problème. Mais si tu es quelqu'un qui perd vite ses ablutions, laisse à la dernière minute si tu vas prier, yani au masjid, laisse à la dernière minute, quand tu arrives là-bas, tu sais que dans une minute, par exemple, c'est la salat, tu fais le wudu, tu rentres avec eux dans la salat, inshallah ta'ala. Maintenant, si tu pries à la maison, tu attends le moment où tu sais que tu vas prier et tu fais les ablutions bi'idhnillahi ta'ala. Tafadhal pour la dernière question. Jazakallahu khairan, cher. Donc nous allons passer à la dernière question, une dixième et dernière question. Question d'une sœur qui demande, donc elle écoute depuis peu, donc il se peut que la question ait déjà été posée. J'aimerais avoir des conseils pour que je puisse prier avec khushu'a. En ce moment, je suis très distraite durant la prière. Comment faire ? Naam. Une seconde, inshallah ta'ala. Une seconde, je vais vous donner, inshallah ta'ala, la réponse. Alors, suivez avec moi. Dites-moi si ça s'affiche. Je dis à cette sœur, écoute ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala fait sort al-mu'minun. Allah ta'ala a dit, qad aflaha al-mu'minun. Dites-moi si ça s'affiche. Alhamdulillah. Donc, bienheureux sont certes les croyants. Bienheureux sont certes les croyants. Alhamdulillah, c'est une ni'ma. Qui ça les croyants? Qui ça? Alladina hum fi salatihim khashi'un. Alladina hum fi salatihim khashi'un. C'est-à-dire, ceux qui sont humbles dans leur salat. Et c'est ce que cherche la sœur. Elle dit, je voudrais être humble dans la salat. C'est-à-dire, je voudrais avoir le khushu' dans la salat. C'est-à-dire, en d'autres termes, la sœur dit, je voudrais faire partie des bienheureux, des croyants qui seront bienheureux. Car les bienheureux, ce sont ceux qui ont le khushu' dans la salat. Comme ça, a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Écoutez après ce verset, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit. Directement après ce verset. Écoutez ce qu'il a dit. Il a dit, Alladina hum fi salatihim khashi'un. Il a dit, bon, c'est toujours Adel Levin. Voilà le verset, il a dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَرِضُونَ. Il a dit, je remets le verset وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَرِضُونَ. Après quoi? Après qu'il ait dit sont bienheureux les croyants, ceux qui sont le khushu' dans la salat, il a dit وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعَرِضُونَ. Pour montrer maintenant c'est quoi yani. Comment faire pour avoir le khushu? Il a dit, ce sont ceux qui se détournent des futilités. Ce verset a été cité donc, comme ça. Le premier verset, le voilà. Bienheureux sont certes les croyants. Deuxième. Ceux qui sont humbles dans leur salat, ceux qui ont le khushu dans leur salat. Et troisième, ceux qui se détournent des futilités. De ça, les savants ont pris que aucune personne ne peut ressentir le khushu' dans la salat si elle ne se détourne pas des futilités. Je dis, et je me dis aussi à moi-même, toute personne qui passe la plupart de son temps à rire et à plaisanter, et chantonner, et dire n'importe quoi, et dire des bêtises, et la riba, et la namima, et je ne sais quoi, ensuite elle rentre dans la salat, jamais, 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 elle ne sentira le khushu'. Si quelqu'un veut sentir le khushu' dans la salat, alors qu'il fasse l'expérience, il reste par exemple une semaine, seulement yani, accroché au Coran et aux livres et aux cours. Et tu vas voir, quand tu vas rentrer dans ta salat, qu'est-ce que tu vas sentir, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Chauffe, pour que vous compreniez un peu mieux. Pour que vous compreniez un peu mieux. Si quelqu'un, il passe par exemple, je me lève par exemple, je fais salat al-fajr,
Ensuite, je ne dors pas du Fajr, par exemple, jusqu'à Salat al-Dhuhr. C'est 5 heures ou 6 heures en train de lire les livres de Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Cheikh Ibn Uthaymeen, Cheikh al-Fawzan. J'entends des cours, je lis le Coran. Ensuite, c'est venu Salat al-Dhuhr. Je rentre dans Salat al-Dhuhr avec un grand khushu'. Pourquoi? J'étais vraiment loin des futilités. Maintenant, prenons le contraire. Je passe, yani, mon temps du Salat al-Fajr jusqu'au Dhuhr, en train de voir la télé. Il y a la musique, il y a le football du matin au soir. L'autre a marqué, l'autre a raté le pénalty, l'autre ceci, l'autre cela. Ensuite, c'est Salat al-Dhuhr. Quand je vais dire Allah Akbar, est-ce que je vais avoir du khushu? Rien, rien. C'est quoi? C'est ce qu'il y avait à la télé qui va venir entre mes yeux et dans mon cœur. Rien, rien comme khushu. Je ne sais même pas ce que je suis en train de faire quand je prie. Au point où, quand il y avait l'an passé, ou il y a 2 ans, je ne me rappelle plus, l'Algérie a joué la Coupe du Monde de football, et l'Algérie a participé, il y a quelqu'un chez nous ici, dans notre mosquée. Quand, 2014, voilà, il y avait quelqu'un chez nous, dans notre mosquée ici, quand il priait, parce que notre mosquée ici est entourée de maisons, de villas et les immeubles. Donc on entend tout ce qui se passe. Donc s'il y a un but qui va être marqué, c'est on dirait que la mosquée va tomber. Tellement hein, tout le monde crie, tout le monde. Quand l'Algérie a marqué un but, quelqu'un qui priait avec nous, il était derrière. Il a quoi? Il a frappé des mains, il a applaudi dans la salle. Il a applaudi. Allahu Akbar. Tellement content. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire pas trop chaud. Il était avec nous dans la mosquée, avec Riyad Mahrez et je ne sais pas comment il s'appelle, l'autre bout de Bouze et Lakdik. Donc, il n'avait pas le cœur dans la salade. Pourquoi? Pas trop chaud, parce que, il est dans un match, et il est venu. Mais s'il était avec le Coran, il était venu, ça aurait été autre chose. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour aujourd'hui, je vous donne le micro pour me dire s'il n'y a plus rien, si on doit se quitter. Tfadl.